Mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue à ce titrologue de ce mardi 15 juin 2021. Cigare, chicha, cigarette électronique, cigarette, ces tueurs silencieux, lit-on à la une du journal gouvernemental Fraternité Matin. Dans un dossier sur le tabagisme, Fraternité Matin révèle que 5000 personnes en meurent chaque année en Côte d'Ivoire. Plus de détails dans Fraternité Matin. Annoncé pour le 17 juin prochain, pas de retour triomphal pour Gbagbo, écrit à sa une le journal Le Patriote. Selon Le Quotidien, 130 personnes pour l'accueillir à l'aéroport. Kumasi met en garde contre tout débordement. Issiaka Diaby mobilise quant à lui à Yopougon, à Bobo et à Niamey. Plus de détails à lire dans Le Quotidien Le Patriote. Nous avons grandi ensemble. Et nous évoluons toujours ensemble, main dans la main, toujours aussi proches et encore plus innovants. Pour vous faire profiter, ainsi qu'à vos proches et à toute la Côte d'Ivoire, des meilleures avancées technologiques, pour une meilleure qualité de service. Banque Populaire, partout, proche de vous. Retour de Gbagbo. Assoado déballe tout sur les derniers réglages. Voici ce qui va se passer à l'aéroport, écrit à sa une Le Quotidien d'Abidjan. Le titrologue pour aujourd'hui s'est terminé. Retrouvez tous vos journaux en ligne via la plateforme monkiosque.com. Merci de votre aimable attention et à demain.